Le Prisme, le Ciné 7, la librairie Le Pavé dans la Mare, tous réunis pour proposer régulièrement des animations dans le quartier des 7 Marais à Elancourt. Un quartier qui souhaite mieux se faire connaître auprès des familles, notamment. Direction ce samedi la médiathèque, jeux de société au menu. Et pendant que je compte jusqu'à 10, vous allez cacher votre petit anneau sous un des objets. D'accord ? Moi, je trouve que c'est une animation très importante parce qu'elle permet de développer la créativité des enfants. Et mes enfants, voilà, Maël, il est vraiment très concentré dessus, donc ça le booste vraiment aussi. Ça change un petit peu de l'ordinaire du conte le samedi matin. Et puis Louane, elle est beaucoup plus manuelle qu'à l'écoute. Donc elle est plus attentive. Et puis bon, ce sont des ateliers tournants. C'est très bien fait, je trouve. Louane, elle, a donc choisi les caplas qu'elle empile avec attention. Un peu plus loin, Léna, presque 5 ans, joue à la princesse au petit pois. Elle est fan du conte. J'aime bien venir ici parce que j'aime bien quand on a des jeux et j'aime bien les livres. C'est des très bonnes animations parce que bah voilà, on n'est pas forcément obligé d'avoir tous ces jeux à la maison. Chacun a et là il y a des jeux variés et ça permet aux enfants de découvrir d'autres jeux et d'échanger avec des enfants qu'ils ne connaissent pas, et ça c'est très bien aussi. Outre ces jeux à la médiathèque, des spectacles, un ciné-goûter et un bal pour enfants étaient aussi au programme de ce samedi des mômes. Là par exemple c'est sur le conte, mais ça a été aussi pour la nuit blanche, donc voilà, on avait fait des animations. Ça peut être aussi sur la fête de la musique, enfin voilà, il y a pas mal de thématiques et nous on suit cette thématique-là, on fait participer les associations locales. Prochaine animation d'ampleur dans le quartier le samedi 14 février autour de la thématique de l'encre noire. Les enfants et les parents artistes seront une fois de plus mis à contribution. Bah, elle est pas timide.